aujourd'hui une vision très poussiéreuse de Berthe Morisot, qui serait une peintre pour les petits-enfants, les poussettes, les dames qui lisent des livres sur des canapés, etc. Et il s'avère qu'en fait, dans la réalité, c'est une peintre tout autre, extrêmement puissante, extrêmement, qui renouvelle, qui dépasse de beaucoup l'impressionnisme. Elle meurt en 1895, et l'impressionnisme est oublié, on est en train de basculer dans le grand moment de la création de l'abstraction. Et Berthe Morisot est au cœur de ce mouvement créatif-là, autour de peintres comme Degas, Manet, autour d'écrivains et de poètes qui sont essentiellement Mallarmé, et à travers Mallarmé, le jeune Paul Valéry. Et Mallarmé, et Valéry, et Degas, et Manet vont en quelque sorte l'accompagner dans son travail vers le neuf, ce qu'elle appelait le neuf, et aujourd'hui on dirait l'extrême avant-garde. En fait, et Valéry va écrire sur elle jusqu'à la fin de sa vie, et il participe à une chose qui est très étrange, qui est une exposition de Berthe Morisot en 40 à Paris, à l'Orangerie, alors qu'on est déjà dans l'occupation allemande, et il fait un texte d'accompagnement qui est assez lénifiant, qui est très troublant, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, comment on pouvait montrer cette peinture-là, à ce moment-là, quelle était la valeur qu'on lui a accordée. Et en même temps que je me posais cette question, en allant travailler à Marmottan, où il y a le fond et les archives de Berthe Morisot, je me rendais compte qu'il y avait un monde, mais absolument colossal, hein, qui fait des queues de 2 heures pour aller voir ces toiles. Et je me suis posé la question, mais effectivement, qui était celle de Citat, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette peinture? Et je me suis aperçu qu'à travers ce qu'on connaissait, qui étaient les peintures les plus connues, il y a une œuvre extraordinaire de Berthe Morisot qu'on connaît très peu et qu'on va découvrir, c'est un coup de chance qu'on va découvrir l'an prochain, parce qu'il y a la plus grande rétrospective de Berthe Morisot qui arrive au Quai d'Orsay l'an prochain en 2019. Donc on va enfin voir cette peinture. Et le roman, c'est le voyage de Berthe et des gens qui l'entourent dans cette création neuve. C'est à la fois un moment extraordinaire, et avec l'affaire Dreyfus, c'est le commencement de la débâcle du XXe siècle. Et donc la question du livre par rapport à ça, c'est à la fois ce moment extraordinaire de création, mais pourquoi, comment il peut survivre à Auschwitz? Comment il peut survivre à la... Qu'est-ce que c'est que l'art pour que ça survive à quelque chose qui anéantit tout? Et donc, le roman, c'est ça. C'est-à-dire, c'est à la fois comment ces gens sont arrivés à la création, mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Quel est le souffle de vie? Qu'est-ce que c'est que ça qui fait qu'on a la chose la plus épouvantable que l'humanité ait connue, et on trouve encore de l'humanité dans cette peinture? Il y a l'autre partie qui est aussi dans le livre et qui m'a beaucoup intéressé, c'est que malgré toutes les protestations de Berthe, qui a toujours considéré qu'on parlait mal de sa peinture parce qu'on en parlait en tant parce qu'elle était femme, Valéry a toujours écrit, même avec beaucoup de tendresse sur sa peinture, mais comme, oui, un fait de féminité, malgré tout. Et pour moi, c'est fondamentalement le malentendu, et un malentendu de la création, où nous sommes des borgnes, on voit l'histoire de l'art avec un seul œil, qui est l'œil masculin, et on ne voit pas avec l'autre.